Les amis, avant que cette vidéo ne commence, veuillez être indulgent avec le son, car ma dernière vidéo et celle-ci ont été tournées dans le même appartement qui résonnait beaucoup. Veuillez m'en excuser. Pour finir, cette vidéo ne devait pas sortir car j'avais trop peur et trop honte, mais finalement, mes proches m'ont conseillé de vous la dévoiler. Veuillez être gentil en commentaire s'il vous plaît. Et merci à mes parents et mes frères que j'aime plus que tout. Bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va nickel. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ça va être une vidéo comme d'habitude, là, ça va être une vidéo un peu sur moi. Genre, je vais un peu réagir à tout ce que les gens ont dit sur moi sur internet pendant des années. Et plein de mes amis m'ont dit de faire cette vidéo parce que je pense que ce serait une vidéo intéressante. Du coup, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Et sans plus attendre, c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc du coup, comme vous avez vu, depuis de nombreuses années, genre tous mes commentaires, tous les commentaires sur moi, ce que les gens disent sur moi, c'est toujours la même chose. Et donc ça, il est gay, il est pas gay, il est bi. J'ai, pendant des années, c'était que ça. Et moi en fait, j'étais dans un mood, je voulais pas parler de ma vie privée, j'étais en mode, je travaille, je monte ma famille, on rigole, on déconne et tout ça. Après, j'ai commencé mes vidéos, j'avais genre 21 ans. Donc je n'avais pas du tout envie de parler de ça. Maintenant que j'ai 27, que j'ai pris plus de maturité, que maintenant j'ai mon propre chez moi et tout, bah je suis en mode, j'ai plus envie de... Puis même, je voulais être honnête avec ma communauté parce que j'en avais marre de faire le mec qui veut toujours mettre des petits non-dits. Donc voilà, je crois que vous avez vu le titre, vous vous doutez un peu ce que c'est et tout. Et donc du coup, bah moi, ma famille, mes frères et tout, bah tout le monde est au courant de tout et bah nous, on a aucun problème vu que bah, du coup, on s'en fout. Enfin, c'est pas un truc qui brusque nos vies. Donc voilà, j'ai voulu inviter mes frères pour avoir un peu leur avis. En fait, je leur avais jamais demandé ça. Je me suis dit, je vais leur poser en live. Et donc du coup, quand vous vous êtes douté du fait que je sois gay et tout? Moi c'est quand Chaladois il est encore à la maison. J'étais en train de jouer ou regarder des vidéos, etc. Et du coup, je me suis repris dans la chambre de Chaladois pour lui montrer ce que je venais de voir, tu vois. Et je fais, ouais, genre je débarque, j'ouvre la porte. Je fais, après, Charles. Je vois, il va dans la chambre, je lui dis, ouais. Il est dans sa demande en train de chanter, machin, je me suis dit, ouais, il se douche. Et le PC est ouvert, et bon, voilà, quoi. PH. Non, déjà, grave erreur, il avait pas fermé le site. Donc, site grand ouvert, machin bidule, je lui dis, ouais. C'était quel? Je sais plus, je me souviens plus. Mais la vidéo, pas les mêmes, quoi. Il y a un certain penchant pour. Bref, voilà, vous avez compris, j'ai vu ça, j'ai fait, ah, bon, je suis rentré dans ma chambre pour retourner à mettre un train, et puis voilà, quoi. Moi, j'étais en seconde. En seconde, je commençais déjà à essayer de monter des vidéos, des vidéos que j'avais tournées avec la caméra d'Edouard. Et, par tout hasard, mais j'avais les codes de son PC, enfin de tous ses PC, de son téléphone. Et un soir, je montais une vidéo. J'ai fini l'école, j'ai fini mes devoirs, donc je me suis dit, bon, je continuer la vidéo que je suis en train de monter. Et en allant sur son Mac, bah, je commence à avoir des messages à haut qui spam quand même sur iMessage. Au début, bon, j'y prête pas attention, je continue à monter et je commence à avoir des adjectifs un peu masculins, genre en mode t'es beau. Je me dis, attends, mais peut-être c'est elle qui parle, peut-être j'ai mal compris, peut-être c'est la meuf qui parle à Edouard en disant ça, tu vois. Et c'est pas logique, vu que c'est lui qui reçoit le message, tu vois. Et genre, j'appuie dessus, et bah. Oui, en fait, que. Bah, non, il fouille. Non, mais par curiosité, enfin. C'est pas à toi. En fait, je pensais quand même que là, bah, une meuf, donc ça fait plaisir, tu vois. Et je regarde. Carrément, c'est plaisir que je parle avec toi. Attends, tu permets, oui, continue. Oui, pour qu'on comprenne. Bah, quand j'ai vu. Certains messages, j'ai su qu'en fait c'était pas du tout une fille avec qui il parlait. Et je peux pas mentir, au début bah, j'ai pris comme un bon moqueur, mais c'est parce que je ne connaissais pas et j'étais vraiment persuadé que j'étais déçu, genre. Mais je sais, enfin. Pas mentir. Oui, non, oui, en fait, t'es homophobe. Voilà, c'est ce que je voulais, pas dire. C'est juste que non, on va pas mentir. Il a été homophobe. Mais t'es dit non, on va pas mentir. Oui, donc, oh, on va oui, pas mentir oui, à la connaissance de. Oui, non, mais que mes parents, on a grandi comme ça, wesh. Pour moi, c'est fille et garçon. T'as découvert ça quand en collège ou au primaire? Seconde. En seconde. C'est comme ça que j'ai découvert et bah, après, bon, maintenant. Moi, pour moi, en fait, ça m'a plus rapproché de voir vu que j'avais l'impression que c'est juste moi qui ai comprenais, tu vois. Surtout ses réactions et même des fois, il avait des sauts d'humeur et c'était ça à la maison. Mais je comprenais un peu pourquoi en fait. Donc, on a que le temps là.
Ok. Enfin, si vous avez pu comprendre ce que je voulais dire. Comment on l'a appris, je ne sais plus trop. Mais non, c'était avec Léa. Hein. Non, mais comment on l'a quand tu nous l'as dit. Oui. Toi, Léa, tu l'as dit comment? Tu l'avais dit. Oui, toi, tu l'avais dit. Ouais, Léa, je l'avais dit. Et après, je lui ai dit, bah, on va plus tes enfants, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu savais avant? Non, mais tu sens. Moi, je savais déjà. Ah, mais tu sens, ça se trouve. C'était sûr, mais je le sentais. C'était un effet. 4 ans, comment ça? Au début tout petit, il mettait des talons, il mettait des perruques. C'est pas vrai. Ah, mais tu le sens, c'est pas vrai. Tu sens qu'il était féminin. Moi, j'ai mis des talons, j'ai mis les lunettes de ma mère, les rouges à lèvres de. Lui, il le sait. Les collants. Il écoutait des Gaga. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Non, par exemple, il écoutait des musiques de filles, mais au moins, lui, il y a un peu de. Le garçon dedans. Hein? Quand il me l'a dit, j'étais avec ma femme, quand il me l'a dit. Ta femme, j'avais une réaction un peu sûre, bah j'étais surpris. Il avait quelle réaction? Non, ça va. Ça va. Oui, t'es plus. Ouais, même quand il m'a dit, dis et tout, genre je pense que c'est bon et tout. Du coup, maintenant est-ce que ça vous gêne dans vous, est-ce que ça vous dérange, que c'est un truc qui vous est en mode ah flemme, ou vous en genre vous avez des rêves? Non, moi en vrai ça m'a suivi parce que je me suis rendu compte, je me suis dit putain, en vrai j'ai menti à tout. Trop menti. Parce qu'il était là, mais ton frère il est gay. Et moi j'étais là. Moi j'étais énorme, mais ouais. Et mon frère il fait plus de bails. C'est ce que j'ai fait déjà, toi. C'est ce que j'ai fait. Il est en de ouf. Et après, quand il me disait, je vais. Ah ouais, j'ai trop menti. Moi quand me disait ça. Non, moi quand me disait ça, il me dit, votre frère il est gay. C'est pour moi. C'est non. Après, il me dit, mais il traîne quoi avec des meufs. J'étais là, mais les gars, c'est ça la technique en fait. Il fait genre, tu vois, il fait genre, il est efféminé, il attire, après, pouya, direct, tu vois. Mais là en fait, non, je me suis trompé quoi. C'est la raison. Bah non, mais c'est compliqué, franchement, à dire. Mais je trouve que maintenant c'est beaucoup plus accepté, genre, ça choque plus les gens. Après, moi, mes parents, ils ont mis un peu de temps parce que bah, les parents, c'est pas comme les frères et sœurs, les parents. C'est un peu plus compliqué. Mais comme ils ont vu que même mes frères, ils s'en foutaient, bah du coup, mes parents, ils pouvaient pas être contre moi étant donné que bah, mes frères, ils. Enfin, en fait, mes frères, ils l'ont appris tellement longtemps avant. Après, moi, du coup, je l'ai pas dit, vu qu'on m'a vendu en fait. Genre, on m'a vendu. Bah j'ai dû en fait directement raconter la situation. En plus je me souviens, ils nous auraient tous pas dit. C'est mon frère, c'est Flavien qui m'a appelé. Il m'a dit putain et tout, ils sont au courant. J'étais dans mon lit, je suis en mode ils sont au courant de quoi. Il fait bah elle leur a dit que t'étais quoi. Et je pensais déjà dans mes valises. Je me suis dit putain mais pas vraiment, ils vont me mettre dehors et tout. Sauf que c'est tombé la période où je cherchais un appartement. Donc au moment où je déménageais, bah mes parents ils l'ont su. Donc en fait bah j'ai déménagé, j'ai laissé un peu d'espace à tout le monde. Et après bah du coup avec mes parents bah ça s'est arrangé. Et du coup on n'en a plus jamais parlé et c'est plus du tout un problème. Après moi je suis pas quelqu'un qui va trop exposer ma vie et tout. Donc en fait je le suis tout mais je mets un peu ma vie hors des caméras. En fait moi je montre tout mais ma vie amoureuse j'ai pas trop envie de le montrer et, pas que, je sais pas si vous me verrez un jour avec quelqu'un et tout. Parce que je suis quelqu'un je suis trop pudique, j'aime bien tout montrer mais j'aime bien avoir mon jardin secret. En fait bah y a pas trop grand chose à dire parce que vraiment mon petit neveu est très bavard. Y a pas trop grand chose à dire, je voulais vraiment faire une petite vidéo mise au point pour vraiment montrer aux gens sur internet qui crois que mes frères ont honte de moi, quoi que non. Genre, personne n'a honte de moi. Mais juste que, bah, pour nous, moi, j'ai pas eu à faire de coming out à internet ou quoi, parce que pour moi, j'ai rien à justifier à personne. Les seules personnes auxquelles je dois justifier, bah, de ma vie, c'est ma famille. Bah, du coup, mes frères et mes parents. Et le reste, voilà. Est-ce que les gars, vous aurez un conseil à donner à tous les jeunes qui sont dans la même situation que moi, qui osent pas dire à leurs frères ou à leur famille et tout? Genre, un conseil ou plusieurs conseils? Parce que du coup, vous avez dans la situation. Et... C'est ça, en fait, tôt ou tard, ça va se savoir. Donc, en fait, ça va toujours se savoir. Plutôt, les gens le sauront. Et le mieux, ça va se passer. Plutôt c'est, mieux c'est. Après, au bout d'un moment, c'est la famille. Hein. Moi, je trouve, voilà, il faut toujours retourner avec sa famille. C'est la famille, tu pourras pas mentir contre ta famille. Et tu peux pas t'excuser d'être quitté, en fait. Ouais. Tu peux pas trouver des parents. T'es né comme ça, on le devient pas. Non, faut arrêter ce genre de gens qui disent qu'ils sont nés des rues, qui deviennent gays. On devient pas gay. Tu sais, on est comme ça. Donc je pense qu'il faut juste prendre ses hum-hum et assumer. Mais c'est dur, je vais pas vous mentir, moi c'est dur, moi j'étais en mode. En plus moi c'était dur parce que je vois tout internet qui dit la même chose. Moi j'ai pas dit à mes frères, donc en fait je fais semblant. En fait, là je parle avec des meufs alors que j'en ai aucune envie. Je fais des bisous pour un peu noyer le poisson. En fait à un moment donné, j'arrivais plus à m'en sortir. Tu fais les pérous, je savais plus quoi faire, j'étais en mode j'en ai marre. Bah, qui en jeu, d'abord, faut toujours le dire pour ma part. Faut toujours le dire à un de tes meilleurs amis. Oui. Bon. Non, il va toujours l'accepter. Parce que, enfin, il va dire. Enfin, ton meilleur ami depuis longtemps, même meilleur ou meilleur ami, enfin, féminin ou masculin, tu vois. Faut toujours le dire à son ami. Et après,
ton ami, il va commencer quand même, il va dire bon, faut que tu le dises, il va t'encourager et tu vas le dire à tout le monde. Oui. Et après, ils vont pas t'en vouloir. C'est vrai. Parce que peut-être qu'ils vont savoir déjà, ils vont déjà savoir plutôt, ou soit bah, ils vont pas le savoir, et quand tu vas leur dire, bah, ils vont dire bah, c'est pas grave, hein, on va dire comme ça. Oui. Voilà. Bon conseil, très très bon conseil, très très mature. C'est bien. Très bien. Et toi, Flavien, pour le dernier conseil de la fin. Qu'on soit pour ou contre, il faut respecter, je pense. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une phrase. C'est efficace. Oui, ouais, tu peux ne pas accepter, mais il faut respecter. Il faut respecter les gens. Faut respecter, il faut que l'autre aussi respecte. Exactement. Faut pas rejeter ses frères et sœurs, faut pas rejeter ses potes et tout, parce que c'est déjà très dur de l'être. Bah, parce qu'en fait, c'est un truc assez spécial. Enfin, c'est normal, hein, mais c'est spécial. Et faut pas rejeter ses amis, ni ses frères et sœurs, parce que bah, c'est un truc. Bah, il y en a du coup qui se suicident, il y en a qui se mutilent, qui font des trucs de ouf. Moi, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Mais ne rejetez pas vos proches. C'est très 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 important. Donc voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se revoit pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Et je vous embrasse.